Moi, c'est Kamara Amara. Je suis le premier fils du frère de ce monsieur. Vous étiez à côté de l'os qui l'a rendu l'âme. Oui, oui, j'étais à ce monsieur chez lui. Quels sont vos derniers souvenirs avec lui avant qu'il ne rende l'âme? J'ai vu mon papa vraiment déçu. Il était vraiment démoralisé. Mais bon, c'est difficile à dire. C'est pour un homme qui a tant fait pour ce beau pays. Vraiment, il est mal pour lui. Vous étiez auprès de lui pendant qu'il était malade. Quelles sont ses conditions de prise en charge à Ignaz Dien? Non, vous savez, franchement, il n'y avait pas grand soin là-bas. Les médecins, ils faisaient ce qu'ils peuvent, mais quelqu'un qui a une cardiologie, qui n'a aucune machine. Ils n'ont qu'une machine là-bas, une machine qui fait cardio ou quoi, non, je sais pas. Ils sont cardiologie. Oui. Ils sont en manque de machines. Ils sont en manque de machines. On a tout fait, au moins une liberté provisoire. Il n'a qu'à aller. Même si ce n'était pas pour sortir du pays, mais aller dans une clinique privée, au moins, une clinique appropriée. Il est là-bas, ce n'est pas l'État qui paye ses frais. Le frais était au soin de la famille. Donc, on a demandé à ceux qui l'aillent, se soignent.